Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Lonishmat Yaakov ben Aisha, Rachel Batsara et Rivka Batsara. Nous étudions Baba Metzia, Perek Aleph, Mishnah Zayin. Matza Gite Nashim, Veshichrore Avadim, Diyatiki, Matana, Veshovarim. Areize lo yachazir, Shani Omer, Ktuvim Ayu, Venimlach Lehem, Shelo Litenem. Mishnah très simple, si on se rappelle de la Mishnah Vav, la Mishnah précédente qu'on a longuement expliquée. Pour notre propos, on s'est quand même fixé comme règle que toute personne qui entre sur notre site et lit et étudie une Mishnah, qu'elle puisse comprendre une Mishnah sans être obligée de partir étudier la précédente. Donc on va rappeler en fait les grandes règles de la Mishnah Vav qui vont de nouveau interagir dans la Mishnah Zayin. Ce sera relativement beaucoup plus simple. Et en plus de ça, ce sera l'occasion en fait de faire un résumé concis, relativement... Pour ceux qui ont étudié la Mishnah Vav et qui veulent quand même retenir l'axiome. De manière générale d'abord, dans ces deux Mishnayot, on parle d'un même sujet. Une personne qui trouve un contrat dans la rue, qui engage donc deux parties, Reuven Shimon. On va illustrer le cas par exemple avec un acte de dette, une reconnaissance de dette. Reuven a transmis, donc il a emprunté 10 000 shekels de Shimon, et il lui a donc écrit un contrat, un shtar, qu'il a fait signer de deux témoins, et ça a une valeur, à l'époque, vous savez, la valeur n'a plus, même aujourd'hui, c'est la même chose. Ça a une valeur très forte avec laquelle Shimon peut prendre ce papier et venir prendre l'argent, récupérer son dû chez Reuven, et comme ce qu'on rappelait, il peut même aussi partir ensuite chercher les biens de Reuven, si toutefois Reuven n'a pas de quoi payer, il n'a même pas de biens non plus, alors il va chercher, partir, récupérer les biens que Reuven aurait éventuellement vendus à d'autres personnes entre-temps, parce qu'ils sont hypothéqués. Enfin, ça, donc, c'était un pur rappel de la Mishnah précédente. Pour notre propos maintenant, on apprenait que lorsque je trouve dans la rue, donc, un contrat qui engage Reuven face à Shimon. Reuven a emprunté de l'argent à Shimon. Alors, la Mishnah nous disait, écoute, si je veux rendre ce papier à Shimon, puisque c'est lui qui affirme le papier qui témoigne que Reuven doit l'argent à Shimon, je ne rendrai ce papier à Shimon uniquement si le fait de rendre ce papier ne porte de préjudice à personne. Voilà l'axiome général qui dirige toutes les règles qu'on a apprises. Concrètement, on avait illustré ça avec trois cas de figure. Tout d'abord, le cas où Reuven nie la dette. Reuven affirme par exemple qu'il a effectivement écrit ce papier et qu'il a même fait signer, mais que Shimon ne lui avait pas encore donné l'argent, il avait juste préparé ce papier, au cas où Reuven lui transmettrait l'argent aujourd'hui et donc il lui donnerait. C'est comme ça que ça se passe. Concrètement, même aujourd'hui, ceux qui ont affaire à des gmachim, savent très bien que d'abord on remplit le papier, on fait signer ensuite les témoins, plutôt les arévim, les garants, et seulement après on repart chez la personne qui a le gmar, et on lui donne le papier pour recevoir l'argent. Donc en fait, on se retrouve avec un papier très dangereux dans les mains pendant quelques heures, le temps qu'on le transmette à la personne concernée. Et idem, à l'époque, l'usage était de préparer un shtar, de faire signer dessus des témoins. Un shtar, c'est un contrat, donc. Et on préparait un contrat, et on faisait signer les témoins, et on le gardait très précieusement, en attendant que la personne concernée nous donne l'argent, pour qu'on lui donne ensuite ce terrain. On peut aussi parler de la même chose avec un acte de vente d'une propriété, ce sera exactement le même principe. Donc, l'axiome d'abord nous dit, si ça ne porte de préjudice à personne, on le rend à la personne qui en est bénéficiaire. Concrètement, donc, il faut d'abord, première condition, il faut que Reuven dise, je lui dois effectivement l'argent, et c'est l'acte que je lui ai signé. Dans la Mishnah précédente, maintenant, on apprenait que ça ne suffit pas le fait que Reuven reconnaisse qu'il doit de l'argent à Shimon. Pourquoi? Parce qu'on avait appris qu'il y a aussi un autre préjudice sur les acheteurs éventuels, les personnes qui auraient acheté des biens de Reuven entre-temps, et que Shimon pourrait ensuite réutiliser ce contrat pour partir ensuite récupérer les biens que Reuven aurait vendus et qui auraient été hypothéqués on avait bien expliqué ça longuement dans la Mishnah présente. Puisque ça ne nous concerne plus, donc on invite ceux qui n'ont pas suivi la Mishnah Vav d'aller écouter, c'est la Mishnah vraiment précédente. Pour notre propos, on se contente uniquement de la règle essentielle: lorsque Reuven reconnaît ou non, cas particulier,
Réhouven n'est pas là et on ne sait pas est-ce que Réhouven reconnaît ou pas. Puisqu'on ne sait pas est-ce que Réhouven reconnaît la dette, et que je connais uniquement Shimon, pour le moment je voudrais lui rendre le shtar, ce contrat, la Mishnah cette fois-ci va nous dire, ben, en aucun cas je ne le rends à Shimon, parce qu'il est possible que Réhouven en réalité ne lui a pas écrit, lui transmis ce contrat. D'accord ? Ça c'est le principe de toute notre Mishnah. Maintenant, de là, on va déduire une halakha un petit peu originale, et on va en reparler ensuite. Mais d'abord, on fait toute cette Mishnah dans les mots. Donc, cette fois-ci, on va parler de contrats qui ont pu être des actes de dette, mais plutôt des autres, d'autres types de contrats, et on les fait tous dans les mots directement. Matsa Gitei Nashim. Celui qui trouve un get d'une femme. Un get, tout le monde sait c'est quoi un get, je suppose. C'est le papier par lequel on divorce une femme. Lorsqu'on veut divorcer une femme, on lui écrit un papier. Moi, Plony, Ben Plony, telle personne, fils de tel, tel fils de tel, je te divorce par ce papier et je fais signer dessus deux témoins et je transmets à ma femme qui devient mon ex sur le moment. Depuis le moment, elle reçoit ce get. Donc celui qui trouve un get, il y a marqué que Réhouven a divorcé sa femme, Sarah. Est-ce qu'il le rend à Sarah? Est-ce qu'il le rend à Réhouven? Alors, la Mishnah va nous dire non, on ne le rend pas et on va voir tout de suite pourquoi. Idem aussi avec Shichrorei Avadim. C'est quoi Shichrorei Avadim? C'est des actes de libération des esclaves. Un Eved, pour libérer un esclave, donc, il faut lui écrire un Shtar Shichur. On le libère de nouveau en lui donnant un acte de. C'est quoi? Ça s'appelle aussi un Get Shichur. Un acte avec lequel on lui dit ça y est, tu es plus mon esclave par ce papier. Idem. On dit tout de suite, la Mishnah va nous dire ne le rend pas puisqu'on ne sait pas. Ne le rend pas à l'esclave ou ne le rend pas à la femme puisqu'on ne sait pas est-ce que finalement j'ai été en colère avec ma femme et je lui ai écrit ce guet mais finalement j'ai quand même voulu réfléchir et je ne l'ai pas transmis ou bien j'étais en colère avec mon esclave ou j'ai voulu le faire plaisir, le libérer et finalement je ne l'ai pas transmis le guet. La même chose aussi, diatiki. Diatiki, c'est une matnat shriv mera. En bon français ça s'appelle je crois un leg, un homme mourant, agonisant, décide de donner tel bien à telle personne, de léguer tel bien à telle personne. Donc il écrit un leg. Et, de nouveau, il est possible que finalement, ce mourant n'est pas mort, ce mourant a décidé finalement d'annuler ce don. Et il y a des halakhot très spéciales qui sont explicitées plutôt dans Baba Batra, où on verra qu'en réalité, quand on écrit un leg, il marche, mais dans des conditions très restreintes, parce que finalement, si il se lève de son agonie, il ne meurt pas, donc il redevient bari, il peut annuler ensuite tous les legs qu'il a fait, tout ça. Donc en tout cas, on ne pourra pas non plus le lui rendre. Idem aussi pour Matana Veshovarim. Matana, c'est une pure donation, un don. Il a donné son terrain à telle personne. Ou encore Veshovarim. Ou encore, Shovar, c'est un reçu. Cette fois-ci, ce n'est plus un acte de reconnaissance de dette, mais c'est le reçu qu'on donne en retour. On explique ça rapidement. Lorsque j'emprunte de l'argent de Shimon, je lui écris un shtar que je lui ai emprunté 10 000 shekels. Lorsque je viens lui rendre sa dette, ma dette, donc il doit en théorie me rendre mon shtar. Dans des cas particuliers, selon les conditions et selon les gens combien acceptent d'être souple, on a la possibilité qu'à la place qu'il me rende la dette, le shtar, donc l'acte, le papier signé, qu'à la place, il me donne un reçu, qui me dit, bon, j'ai reçu de toi, donc tes 10 000 shekels, et il me le rend, donc il s'avère qu'en maintenant, concrètement, il est possible que, donc regardez, vous allez partir, lui rendre, donc et la Mishnah va nous dire, si je trouve un reçu que, moi, j'ai, que, donc c'est lui qui m'écrit le reçu, si vous trouvez un reçu que Shimon m'a remboursé, a reçu de moi la dette, surtout, vous n'avez pas le droit de venir me le rendre. Pour quelle raison? De nouveau, le principe c'est le même. La Mishnah nous dit, tu ne rends surtout pas un tel contrat. Donc, le get de la femme, le get shichrur des esclaves, le diatiké, le leg, et la matana, stam, un acte de donation, donc tu donnes ton bien, une cession de bien. Ou encore Shovarim, ou un reçu. Dans tous ces cas-là, Arezel Oyarzir, si tu le trouves, tu ne le rends pas à la personne concernée. Pourquoi? Shani Omer, car je vais peut-être soupçonner. Ktuvim Ayu. C'est vrai qu'ils ont été écrits par les personnes concernées. Mais finalement, Venimla Chalehem Shelo Litenem. Mais qu'en dernière minute, il n'a pas voulu
Ouais, il s'est rétracté, il n'a pas voulu le leur donner, le leur transmettre, il n'a pas voulu divorcer sa femme, libérer son esclave, il n'a pas voulu finalement faire ce legs à cette personne, il n'a pas voulu faire ce don, ou il n'a pas voulu, il n'a pas concrètement reçu l'argent de la dette. Il avait prévu au cas où, si toutefois il vient, il me rembourse, il vient, il va me rembourser, et je vais me retrouver, je ne vais pas pouvoir lui trouver le shtar et lui donner tout de suite, et ça fait déjà 5 mois que je lui cours après, donc au cas où il vient et il me rend l'argent tout de suite, que j'ai de quoi lui rendre, qu'il me dise pas non, je reviendrai demain parce que j'en ai marre de lui courir après. Donc dans tous ces cas de figure, la Mishnah nous enseigne, ne le rends pas, surtout pas tu le rends pas, car il est possible que finalement il a été préparé et non transmis en dernière minute. On n'a finalement pas voulu le donner. Voilà pour la Mishnah, et c'était effectivement simple. Nachon, l'idée elle est simple. Donc la Mishnah en fait nous apprend, au même titre que lorsque Réhouven est là et nous dit non, ne lui rendez pas, la Mishnah nous dit attention, même lorsque Réhouven n'est pas là, on ne sait pas c'est quoi la vie de Réhouven, on ne sait pas est-ce qu'il y a eu dette ou il n'y a pas eu dette, dans le doute, tu ne le rendras pas parce que tu vas peut-être porter préjudice à Réhouven. Voilà pour la Mishnah. Si déjà, on fait tout de suite le Bar Tanoura et après je vous rajoute une donnée, comme ça ceux qui veulent couper le cours parce qu'ils sont éventuellement pressés, puissent le faire facilement. Diatiqué. Alors, diatiqué, le Bar Tanoura nous explique. C'est ce qu'on avait traduit par le leg, c'est ce qu'il nous traduit ici, ce qu'il explique. Tzava'at shriv mera. C'est ce que le shriv mera, c'est une personne agonisante. Tzava'a, c'est une chambre des tzavot, ce qu'il leur donne. Donc, c'est une sorte de testament, enfin, c'est ce qu'il dit oralement, ce qu'il veut donner, ce qu'il lègue. Et d'où vient le mot diatiqué? Ça vient d'atehe le mekam veliyot. C'est un acronyme de cette phrase de da tehe le meikam veliyot. Quand on prend toutes ces lettres un petit peu plus ou moins et on les arrange, ça fait daitike daitike da tehe le meikam veliyot. Da sla tehe sera le meikam pour être omed veliyot et pour être, d'accord, ce que je te donne ce sera toi. Veshovarim, c'est quoi un shovar, un reçu? Sheose malve la lové, donc que le créancier écrit au lové, à l'emprunteur. Shenifra mimenu shtar chovo, lorsque l'emprunteur vient et rembourse sa dette. Et donc, voilà pour la Mishnah. Concrètement, cette Mishnah pose un certain petit problème. On pourrait rallonger ce problème et expliquer qu'en fait le problème il se retrouve presque partout. Mais on va prendre un cas, juste un cas simple, c'est le cas de Matana. C'est quoi? De quoi on parle? Un cas de Matana. On va illustrer ça avec un cas où il y a écrit dans ce papier que j'ai donné mon terrain à Shimon le 1er septembre. Au sens simple, c'est ce qu'il y a écrit. Et donc il y a écrit dans la Mishnah que surtout on n'allait pas le rendre à Shimon. Pourquoi? Parce que peut-être que finalement, je ne lui ai pas donné. J'ai voulu lui donner, lui faire une donation. Et finalement j'ai regretté, j'ai réalisé qu'il n'était pas tellement sympathique, donc j'ai pas voulu lui faire ce cadeau. Donc, vous ne lui rendez pas si vous trouvez ce papier. Question. De la Mishnah, on déduit donc que si je dis non, c'est bon, donnez-lui, que vous devrez lui rendre le papier à Shimon. Et ce cas n'est pas logique, parce qu'il y a une préjudice à un autre vend acheteur ou receveur, donataire en l'occurrence, potentiel. Supposons que finalement j'ai voulu donner ce terrain à Shimon. Et finalement, Shimon, ce jour-là, il m'a déçu dans plusieurs conduites, j'ai quand même hésité à lui donner, j'ai un peu traîné. Et finalement, 3 semaines après, j'ai préféré donner ce terrain à Lévi, une autre personne. Et finalement, lui, il est beaucoup mieux que Shimon, je préfère lui faire cadeau à lui qui kiffe, qui soit heureux dans lui. Et finalement, après un mois et demi, j'ai vu que Lévi, il était pire que Shimon. Alors là, j'ai regretté complètement d'avoir donné ce terrain à Lévi. Tout ça, c'est des suppositions, oui. C'est juste pour vous illustrer le cas éventuel, la catastrophe que vous allez faire quand vous allez rendre le papier à Shimon. Supposons maintenant que vous trouvez ce papier dans la rue, que j'ai donné mon terrain à Shimon le 1er septembre. Vous vous rendez compte que finalement, d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de conclure mon histoire. Donc, j'ai voulu écrire à Shimon, finalement j'ai regretté, je l'ai donné à Lévi. Après un mois et demi, je réalise que Lévi c'est une crapule née. Et je regrette amèrement de lui avoir donné, et aujourd'hui je suis bloqué, je ne peux plus rien faire, parce que j'ai donné mon terrain, je ne peux plus ensuite regretter, ça n'existe pas quoi. Tu l'as donné, c'est mort. Ça y est, c'est transmis. Et il va s'avérer que, grâce à ce papier en réalité, on va réussir à tromper, à arnaquer le pauvre Lévi,
je vais partir voir Shimon et je vais lui dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. En réalité, le 1er septembre, je voulais vraiment te donner mon terrain. Et finalement, j'ai regretté, ça traînait, je l'ai donné à Lévi. Et puis, je regrette amèrement, parce que je regrette. Viens, on fait une petite embrouille, toi et moi. On fait comme si que le papier, je te l'ai donné. Toi, tu débarques, tu dis, ah, Lévi, t'habites dans cette maison, mais j'étais même pas au courant, mais ça va pas, elle est déjà à moi. Regarde, il me l'a déjà donné, seulement j'étais parti pour 6 mois, pour 8 mois au Canada, et je viens de revenir. Donc maintenant, rends-moi la maison, elle m'appartient. Et Lévi, il pourra rien faire. S'il a marqué que je lui dois, que la maison, elle a déjà été donnée en septembre, elle appartient à Shimon, et sûrement pas à Lévi. Or, comment pouvez-vous rendre le jetar, le contrat, l'acte de donation, à Shimon, dans la mesure où le jetar, comme on avait appris dans la mission précédente, vous avez trouvé le jetar par terre, peut-être que c'est un jetar falsifié, peut-être qu'il y a eu une embrouille, dès qu'on trouve le jetar par terre, on soulève tous les... On émet tous les soupçons possibles pour contester, pour dire que ce jetar, il n'est peut-être pas net. Comment pouvez-vous le rendre à Shimon? Question très pertinente. Entre parenthèses, il y a de quoi pousser le bouchon et poser la question sur presque tous les cas de la Mishnah, mais on ne va pas le faire. On va juste se contenter du cas de la Matana et de rapporter en fait ce que la Gemara explique, ce que le Tosot Yom Tov précise, qu'en réalité, on parle d'un cas d'une Matana spéciale. Le cas que je vous ai dit d'abord, il est vrai et c'est une vraie crainte. Et donc, si vous trouvez un acte de donation, que j'ai donné mon terrain à Shimon tel quel, il n'y a rien, aucune condition supplémentaire, n'allez surtout pas le donner à Shimon parce qu'il est possible qu'en réalité on est en train d'arnaquer Lévi par cette histoire. Si toutefois je veux lui donner, ben j'ai qu'à lui créer un nouveau shtar, mais ce shtar-là, vous le rendez surtout pas à Shimon. Là, la Mishnah nous parle d'un cas plus particulier. Elle nous parle de quoi? Elle parle d'un cas où j'ai écrit à Shimon donc cette donation, mais j'ai précisé que même si je traîne pour lui donner et que je le donnerai plus tard, le jour où je lui donnerai, il deviendra rétroactivement possesseur du terrain depuis le 1er septembre. Donc en réalité, même si ce jetard-là, il est dans mes mains aujourd'hui, et j'ai donné la maison à Lévi, et Lévi, je vois qu'il commence à faire le mariole et à être un petit peu flou dans ses histoires, je dirais Lévi, reste tranquille, sinon je donne ce papier-là, je le donne à Shimon, et il acquerra rétroactivement depuis le 1er septembre. Là, dira, et toi, on t'éjecte. Tout simplement, c'est clair? C'est de ce cas que parle la Mishnah. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.